Bon, ce qu'on va faire, bon déjà je vais finir de déjeuner dans un premier temps. Et puis ensuite, eh ben, on va aller voir les dolmens. Donc il y en aurait trois apparemment. Le dolmen de Menga, de Viera, et le troisième, je ne sais plus. Mais en tout cas, celui de Menga, apparemment, ce serait le mégalithe le plus grand du monde. Parce qu'il y aurait une pierre qui recouvre, qui ferait à peu près 180 tonnes, je crois. C'est vraiment énorme. Donc je pense qu'on va découvrir ça. Moi ça me fascine les anciennes constructions depuis toujours. D'ailleurs je suis quelques chaînes comme ça que je regarde sur YouTube, les anciens bâtisseurs, tout ça. Et ça me fascine de voir comment ils ont fait pour déplacer des pierres comme ça, à se demander s'ils n'avaient pas des machines quoi, parce que c'est vraiment des pierres énormes, puis elles sont taillées vraiment à la perfection. Donc vraiment ça me fascine. Donc je suis bien content d'être ici en tout cas, d'avoir réussi à me garer ici. Et bah on va découvrir ça cet après-midi, je pense. Parce que je crois que ça ferme à 18 h, quelque chose comme ça. Donc on va aller découvrir un petit peu ces dolmens gigantesques. Bon, les amis, il faut que je vous montre un truc de fou là. J'étais en train de chercher mes clés de mon caisson. Regardez où elles sont. Je les ai laissées dessus. Et j'ai roulé pendant 3 heures comme ça. Elles sont pas tombées. J'en peux plus avec toutes les péripéties en plus que j'ai eues hier. Là, j'étais en train de les chercher. J'étais en panique. Je dis mince, je les ai mis où et tout. Et puis je viens voir, et puis elles sont là. Voilà. Bon, c'est juste les clés du caisson, mais bon, il y a quand même les clés de la batterie de mon vélo, tout ça, donc c'est pas les clés du camping-car, mais ça aurait été embêtant de les perdre quand même. Bon, allez, on va sortir gros toutou. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui, mais franchement, il fait vraiment pas froid. J'ai mis quand même le petit pull pour pas attraper froid, parce qu'il y a un petit courant d'air, mais ouais, il fait beau. Donc, après, on ira se balader, on ira voir le dolmen. Je pense que je vais y aller avec ma petite trottinette. Et puis voilà, pour commencer déjà, on va sortir un gros toutou. Et c'est bien un cul-de-sac ici. Regardez la route, elle se termine là. Il y a pas mal de déchets par contre, comme d'hab. Vous voyez, ils n'ont pas terminé la route. Là-bas, c'est pareil, c'est un cul-de-sac. Un bus qui s'est mis là, une voiture. C'est vrai que j'aurais pu presque me mettre par là, mais c'est vrai qu'il y a plein de déchets, ça me dégoûte un peu. Bon, après, je suis pas mal là-bas, franchement. C'est pas mal du tout. Bon, allez, je vais pouvoir libérer un peu gros toutou là, dans le terrain vague. C'est quand même triste de voir qu'ils ont laissé plein de bouteilles de verre ici là. C'est vraiment un dépotoir quoi. Donc, c'est un petit coin nature assez sympathique avec des oliviers là-bas. Ça y est, t'as fini gros toutou? Ouais? Ça y est? Allez, bah écoutez, j'ai sorti ma petite trottinette. Et bah, on va aller découvrir maintenant ces dolmens. Et peut-être après aussi la ville. On va voir si je fais la ville en même temps. J'ai pris mon petit cadenas. Allez, en route. Bon, c'est pas la plus confortable des trottinettes, mais bon, il n'y a pas de suspension, il n'y a rien quoi. Mais bon, pour faire de la ville, ça va bien. Enfin, il y a le régulateur qui s'est mis en route. Je croyais l'avoir coupé pourtant. Bon, c'est pas grave. Allez, on va aller traverser la ville parce que c'est quand même pas à côté. Hein. Je crois qu'il y a 3-4 km. Donc on va traverser tout ça. Il y a une piste cyclable, c'est pas mal. Bon, par contre, filmer et tenir la trottinette, c'est pas évident. Mais voilà, l'entrée de la ville. Là, je viens de m'arrêter au niveau d'une porte, enfin, qui se trouve dans un rond-point. C'est la Puerta de Estepa. Apparemment, elle a été construite en 1749 par le constructeur Martin de Boga. Et par contre, elle a été détruite. Elle a été complètement démolie en 1931 pour faciliter en fait la circulation. Et apparemment, elle a été complètement reconstruite en 1998 selon le modèle originel. Regardez, on la voit encore mieux de ce côté-là. Elle est vraiment magnifique. Je vais zoomer un petit peu, vous voyez, il y a une statue en haut. Je crois que c'est la Vierge Marie, il me semble. Ouais, très belle construction.
Donc ce magnifique bâtiment, en fait, c'est la mairie. J'ai vu que c'était ouvert, alors je me demandais ce que c'était au début, j'ai cherché un petit peu sur internet ce que c'était comme bâtiment. Et il s'agit de la mairie. Et c'est vraiment magnifique. Regardez, il y a une petite cour avec une fontaine au milieu. Regardez-moi ça avec les piliers là. C'est vraiment trop beau. Et encore les décorations de Noël. Je ne suis pas le seul à avoir oublié de les enlever. Ah, c'est sympa comme mairie quand même. Non, franchement, j'adore la forme des bâtiments. On dirait de la brique un peu. Et là, nous sommes devant l'église Saint-Augustin qui daterait du 16e siècle. Regardez comme elle est belle. Immense, immense. On se sent tout petit. Bah, regardez, c'est rien par rapport à la paroisse Saint-Sébastien. Regardez cette beauté. Franchement, avec la petite place sympathique juste ici, là, il y a une grande fontaine. Voilà, il y a des orangers, il y a un petit banc. Il y a deux personnages là-bas ici d'ailleurs. Elles sont vraiment bien réalisées, ces statues. Et j'ai lu sur le petit panneau que c'est écrit que c'est José Fernandez et José Munoz Rojas. Je ne sais pas si je prononce bien, mais bon, voilà. Je ne sais pas trop si c'est des artistes ou... Je sais pas, je les connais pas. Voilà, en tout cas, ils sont représentés ici. En tout cas, c'est écrit El Art Sin Tempo, c'est-à-dire l'art intemporel. Et juste en face, regardez, nous avons un arc ici. C'est l'arc del Nazareno. Et on peut voir qu'il y a Jésus avec sa croix tout en haut. Alors, franchement, très sympathique en tout cas, cette petite place hein, avec l'église, tout ça. Ouais, j'aime bien. Ah, je suis en train de regarder le plan parce que pour aller au Dolmen, il faut que je continue par ici, par la gauche. Et je viens de voir qu'il y a aussi l'Alcazaba à aller voir. Donc, vu que je suis juste à côté, on va aller voir ça déjà. Je crois d'ailleurs c'est par ici que je suis passé cette nuit. Regardez l'état de la route. Mais ma trottinette, là, elle avance plus. Je suis obligé de l'aider. Tellement ça grimpe. Donc, je peux vous dire, quand il est 1h du matin et que vous passez dans des ruelles comme ça, à pas savoir où est-ce que vous grimpez. C'est assez flippant. Pour ça je leur ferai plus, je pense. Hein. Chercher un spot le soir comme ça, c'est pas la peine. Donc là, apparemment, si je vais tout droit, je peux accéder en marchant au collégial de Santa Maria et l'Alcazaba. Regardez-moi ça, comme c'est sympa de traverser sous les oranges comme ça. C'est beau. Ouais, j'aime bien. C'est vrai que c'est un petit peu plus calme par ici, parce qu'en bas, il y a quand même la route, la circulation, tout ça. Regardez un petit peu la fresque qu'ils nous ont mis ici. C'est trop beau. Je vais encore dire 1000 fois, c'est trop beau, dans cette vidéo. Je m'en excuse par avance. On va continuer à grimper par là. Mais là, franchement, si vous n'allez pas me dire que c'est pas magnifique. Hein. Regardez, on voit toutes les toitures. Ah, qu'est-ce que c'est beau. J'adore. On peut apercevoir qu'il y a vraiment beaucoup d'églises. Hein. Donc il y a les deux qu'on a vues tout à l'heure. Il y en a encore une autre là-bas. Une autre tout au fond. Et une autre aussi ici. Je crois que là-haut, ça doit être un ermita. Et puis les dolmens, normalement, se situent par là-bas, je crois, sur la droite. Je crois qu'il y a encore d'autres églises ici aussi. Il y en a de partout. Moi, quand je suis arrivé par le rocher là-bas, sur la route. Et je me demandais ce que c'était parce que de nuit en fait on aurait dit une pyramide le truc quoi. Ça faisait vraiment un angle assez droit comme ça, enfin assez linéaire et dans le noir comme ça j'avais l'impression d'être à côté d'une pyramide quand je suis passé à côté. Mais non, c'est un rocher. Bon, du coup, j'ai accroché ma petite trottinette à un petit poteau et on va pouvoir aller voir l'Alcazaba. Regardez la porte déjà là. Oh. Apparemment, on peut y accéder gratuitement. Il n'y a pas d'avoir de guichet. Ah, si, il y a des tickets quand même là.
Donc je pense que ça va être l'extérieur qui est accessible. Ouais, les horaires, c'est marqué 10h-18h. Adulte, 6 € apparemment. Mais bon, on va faire de l'extérieur. À la limite, si je dois payer, je paierai pour voir les dolmens. Et là, nous arrivons devant le collégial Santa Maria, qui est incroyable aussi, un peu en contre-jour. Par contre, pareil, c'est un petit peu dommage là pour un lieu de culte. C'est payant aussi, 6 € apparemment l'entrée. Bon, après, c'est pour restaurer un peu le lieu, tout ça, mais bon. C'est dommage que bon, les pauvres ne peuvent pas accéder. T'as pas d'argent, tu peux pas les prier. Ça, je trouve ça un peu dommage. En tout cas, il y a une magnifique place ici. Il y a même un petit restaurant là-bas. Les gens là-bas sont occupés à prendre un petit verre en terrasse. Et juste là, en fait, il y a les thermes romains de Santa Maria, les anciens thermes. Donc là, ils ont mis un petit panneau nous expliquant les différents bains, comment ça fonctionnait, en fait, tout ça, quoi. Et qu'on retrouve en vrai juste ici. On est vraiment au-dessus, donc on voit vraiment tout. Regardez-moi ça. Il y a encore les carrelages d'époque. Alors, je me suis aidé un petit peu de Google Traduction pour comprendre un petit peu les bains. Donc là, apparemment, c'était une piscine extérieure qui était froide. Ici, nous avions les vestiaires. Et puis là, c'est le bain chaud, le bain froid. C'est vrai que c'est sympa qu'ils nous ont mis le plan parce que, comme ça, c'est difficile à s'imaginer un petit peu. Il reste vraiment que les ruines, quoi, que les contours. Là à côté, il y a encore pas mal de ruines aussi, là, des murs qui sont à moitié détruits. Ça va faire partie de l'Alcazaba. Il y a encore une magnifique vue sur les montagnes. Il y a encore une église, je crois, là-bas au fond, on peut apercevoir. Et puis toutes les toitures. C'est beau, hein. J'arrête pas de le dire. Je sais. On pourrait peut-être faire le tour apparemment. Oula, j'ai loupé la marche. On pourrait peut-être faire le tour apparemment. Regardez, il y a un petit passage là secret. Ça longerait le collégial Santa Maria. Ça continue par là. Il y a un escalier. Je vais voir un petit peu. Peut-être voir autre chose encore. Ça nous permet de voir l'église de l'autre côté, dans la collégiale. Avec les petites ruelles. Les palmiers. Oh, c'est sympathique, comme tout. Voilà, ça continue. Ça va partir après dans la ville, je pense. Là, ici, c'est un cul-de-sac. Il y a des vieilles maisons. Je pensais que c'était abandonné, mais en fait, non, parce que j'ai entendu un chien aboyer derrière. Il y a des cadenas, donc il y aura encore des gens qui habitent ici. On peut voir qu'il y a quelques cerisiers qui sont déjà en fleurs. J'en ai vu sur la route. C'est déjà le printemps ici. 1er février, c'est déjà le printemps. Bon, bah allez les amis, on va continuer, on va aller voir maintenant du coup les dolmens. On va aller chercher la trottinette et puis on va continuer notre petite visite de cette magnifique ville. Hein, franchement, bah, je suis bien content. Je suis tombé dessus, je crois que c'était sur une story ou quelque chose comme ça, où j'avais vu les dolmens et je dis, ah, bah, il faut que j'aille voir ça a l'air joli et tout. Et bah, je regrette pas, franchement, parce que même la ville, elle est magnifique. Je venais que pour les dolmens à la base et puis au final, bah. Je suis bien content d'être tombé là-dessus. Regardez ici, on a encore une construction apparemment arabe avec une statue ici qui représente apparemment l'exil de ces personnes qui ont été chassées par la guerre avec les Castillanes. Apparemment, ils se sont exilés à Grenade. Donc, cette statue représente un petit peu leur exil parce qu'apparemment, ils se seraient réfugiés ici pendant 8 jours derrière les murs de la citadelle. Et puis après, bah, quand voilà, ils se sont rendus au bout du jour et puis ils sont partis vers Grenade. Là, je me suis approché du coup de l'église que je voyais d'en haut et c'est l'église d'El Carmen. Là, ça y est, on a tout redescendu. Regardez, on était tout là-haut et je suis arrivé au niveau où bah, je me suis garé cette nuit là. Premier parking là que j'avais essayé après être bloqué au niveau du spot nature. J'étais venu ici, c'est là qu'il y avait le chien qui aboyait. J'ai bien fait de bouger, hein, parce que là, avec la circulation et tout, je pense que j'aurais eu un réveil en fanfare. Tout ça pour dire que, regardez, par contre, il y avait la porte juste à côté, en fait. Et c'est la porte, la Puerta des Granadas. Et ça y est, je suis arrivé devant le site des Dolmens.
Donc apparemment l'entrée, il faudrait suivre, ce serait par là-bas. Bon bah j'ai bien fait de laisser Gros Toutou parce que ça a été dû aux chiens. Donc apparemment il y a plusieurs parkings. J'avais vu qu'on pouvait se garer la journée, mais on ne peut pas y rester la nuit parce qu'il y a un portail ici qui ferme après. Donc voilà, c'est juste vraiment pour visiter. Bon, ils nous disent aussi que c'est interdit au vélo, donc bah, j'ai accroché la trottinette ici, de toute façon je n'allais pas me balader avec. Par contre il n'y a pas d'attache, enfin vraiment d'emplacement pour les vélos, c'est que des parkings pour voitures. Enfin, en tout cas j'en ai pas vu, j'ai fait le tour un petit peu du parking, j'ai pas vu d'attache pour vélo, donc j'ai accroché au poteau ici. On verra bien, j'espère quoi, je ne vais pas me le faire tirer. Allez, on va aller visiter ça maintenant. Nous sommes accueillis par un monsieur qui nous montre ses fesses, c'est pas très gentil. Moi je commençais à rentrer dans les jardins et j'ai un monsieur qui me fait « Hola, un musée, ticket ». Je dis bon, il faut que j'aille chercher un ticket. Donc apparemment c'est payant. Je n'ai pas trop regardé les tarifs, je vais aller voir. Mais bah, je sais pas, moi je n'ai pas envie de faire le musée, en fait j'ai envie de faire les tumulus, enfin les dolmens. Parce que le musée, bon, on va aller voir quand même. Bah écoutez, j'étais mauvaise langue hein, parce que j'étais accueilli par un monsieur super gentil. En plus qui parlait un petit peu en français, il m'a expliqué que c'était gratuit, ouais, qu'il fallait prendre un ticket simplement. Et puis après bon, on avait accès, on pouvait regarder tout au niveau du musée déjà, et puis aussi au niveau des tumulus, des dolmens. Donc là ils nous ont mis une petite exposition avec des photos. Il m'a même dit qu'il y avait un QR code pour pouvoir télécharger en français si besoin pour la visite. Donc je l'ai scanné comme ça, au moins ça m'aidera pour comprendre un petit peu les choses. Et regardez ici, ils nous ont mis une photo de la montagne que je vous disais, et elle a la forme d'un visage en fait, vous voyez. Ça représente un peu comme un défunt couché sur le sol, on le voit ici. Et j'ai cru comprendre qu'en fait le dolmen il est vraiment aligné au niveau de la montagne. Donc, il y en aurait trois, il y aurait Tolos del Romeral, donc le dolmen de Vera, et le plus important, le dolmen de Menga, le plus grand du moins. Là on a une exposition sur les archéologues qui ont travaillé un petit peu sur le site. C'est pas tout jeune, ça daterait de 1868. Ici on retrouve même le petit stylo à plume. Là on a différentes petites poteries qui ont été trouvées, des petits outils aussi également. Et des objets qui dateraient vraiment de la préhistoire. Puis là on a une petite représentation en 3D d'un mégalithe. Moi ce qui m'impressionne beaucoup c'est comment ils ont fait pour soulever des pierres comme ça. Bon maintenant moi je vais voir les choses en vrai, donc on va essayer de se rapprocher du premier dolmen. Je crois que le plus proche c'est celui de Vieira qui doit être sur la droite là-bas. Désolé pour le bruit, parce qu'ils sont en train de faire des petits travaux là-bas. Mais effectivement, regardez, si on regarde bien, on voit vraiment que ça fait un visage là-bas. Et apparemment, si j'ai bien compris à l'époque, ils ont trouvé aussi des vestiges de maisons troglodytes à l'intérieur de cette montagne. Donc là apparemment il y aurait le dolmen de Menga et de Vieira qui doit être... Je pense pas loin l'un de l'autre. Là on voit déjà, regardez la forme ici là. Alors, je sais pas lequel des deux c'est, celui-ci. Et l'autre il doit être là-bas. Ouais. On va se rapprocher, on va regarder ça. Donc là on a un petit panneau qui nous indique le dolmen de Menga à gauche. Alors je pense que c'est celui qui est là-bas. Donc que ça soit indiqué là, donc, je pense que c'est plutôt à gauche. Donc on va aller le voir tout de suite. Donc, déjà on arrive au niveau de l'entrée. Regardez les pierres ici là. Elles sont déjà énormes. Regardez-moi ça, comment c'est impressionnant. Les pierres sont vraiment énormes ici là. Et en plus, quand on regarde, il y a vraiment... La jointure est vraiment parfaite quoi. Il n'y a pas de colle, hein. C'est juste emboîté. Regardez les blocs qui sont juste au-dessus. C'est des tonnes et des tonnes qui ont été transportées comme ça. Et bien alignées. C'est vraiment tout petit hein, au final. On arrive dans une pièce ici qui est pas très très grande. Elle va faire peut-être 2 mètres sur 1,50 m, je pense. Ah, il y a un petit peu de monde qui arrive, je vais leur laisser la place. Ah, c'est assez incroyable quand même. Dis-moi ce tunnel là qui est vraiment parfait quoi. Avec les outils qu'ils avaient à l'époque. Je sais pas trop comment ils ont pu faire, hein, franchement. Incroyable. Après, c'est pas très très grand, hein. On peut pas vraiment rentrer plus à l'intérieur. Mais c'est quand même déjà très impressionnant d'être ici.
Donc je viens de demander à une dame qui est juste en fait qui s'occupe du site. Et celui-là, c'était pas Menga, c'était Viera. Ouais, c'est ça, Viera. Et donc là, on va aller voir maintenant le Menga. Donc c'est celui-ci qui aurait une pierre de plus de 180 tonnes. Je crois que c'est cette pierre qu'on voit au-dessus là. Oh, c'est fou. Franchement là, comment ils ont fait quoi? Avec des piliers, regardez, il y a des piliers où, en plein milieu là. Et puis là, regardez la taille des pierres. Non, mais c'est... Je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à la taille des personnes qui sont au fond là-bas. Et comment des humains ont pu déplacer ça quoi? Avec des cordes. Des cordes et des petits outils. À se demander s'ils n'avaient pas des engins. Parce que même aujourd'hui, on n'y arrive pas quoi. Quand tu vois qu'en plus que les. C'est vraiment, comme je disais, super bien aligné quoi. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace entre les pierres. Et là on arrive au niveau d'un tunnel qui a été creusé. Regardez-moi ça. C'est parfaitement rond quoi. Avec quoi ils ont creusé quoi? Regardez-moi ça. C'est profond, hein. Je sais pas si ça servait de puits, ça. Je sais pas trop. Après, normalement, c'est pour. Enfin, ils disaient que c'était pour enterrer leurs morts, hein, les dolmens. C'est des tombeaux, mais bon, là, à quoi ça servait ça donnait autant de mal à creuser un tunnel comme ça. Un cercle parfait. Ça m'impressionne vraiment beaucoup. Hein. En plus de ça, apparemment, ce serait aligné avec le solstice d'été. Le 21 juin, il y a la lumière qui passe à travers les pierres et qui vient se refléter normalement sur les pierres au fond, si j'ai bien compris. Donc, ils étaient forts à l'époque, hein. Ils étaient forts. Puis là, sur les pierres, j'ai pu remarquer qu'ils avaient fait des sortes d'encoches comme ça. Il y en a un petit peu de partout. Là, sur le pilier, on en voit. Ici aussi. Il y en a encore ici, sur ce mur-là. Vous voyez, les mêmes types d'encoches. Ici aussi. Vous voyez, il y a plein de petites encoches comme ça sur ces murs. Est-ce que ça servait à les tirer, à les transporter, pour les redresser ensuite? En tout cas, bah, je suis bien content, franchement, d'être venu ici, de voir ça de mes propres yeux. Je suis très, très impressionné. Hein, je ressors de là très impressionné par ces constructions. Si vous avez l'occasion, bah, n'hésitez pas à venir voir ça de vos yeux. Franchement, chapeau les gars. Je sais pas comment ils ont fait pour redresser toutes ces pierres, mais chapeau. Alors il y a le troisième tumulus qui se trouve derrière apparemment. Je sais pas si on peut vraiment y accéder. J'ai pas vu de panneau l'indiquant. Je vais essayer de voir là-bas, redescendre et prendre le chemin. Voir un petit peu si on peut y accéder ou non. Toujours avec ce visage incroyable là-bas. Et ici nous avons un cadran solaire, mais bon, c'est une construction beaucoup plus récente. Avec les chiffres qui sont au sol. Donc là, ça indique 3 heures. Bon, c'est pas tout à fait juste. Moi, j'ai 16 heures. Après, peut-être qu'avec le changement d'été, l'heure d'hiver, peut-être que c'est à cause de ça. Mais bon, c'est assez sympathique ce qu'ils ont fabriqué ici. On voit bien que c'est du béton. Donc c'est vachement plus récent. Hein. C'est beaucoup plus récent. Bon, en tout cas, on arrive directement à la sortie en suivant le chemin. Donc j'ai pas pu voir le troisième tumulus. Le troisième dolmen, peut-être qu'il n'est pas accessible, peut-être qu'il est encore, je sais pas, en fouille. Je vais voir si ma trottinette est toujours là. Apparemment, oui, elle est toujours là. Donc, bah écoutez, je crois que je vais y aller, à moins que j'essaye de voir si je peux quand même passer. Allez, je vais aller voir. Bah écoutez, je suis retourné voir le monsieur de l'accueil qui m'avait parlé en français tout à l'heure. Il m'a expliqué qu'en fait, bah, ce troisième tumulus, il fallait qu'on aille directement par l'extérieur. Qu'on ressorte et qu'on rentre par une autre entrée apparemment. Donc je prends la trottinette et puis on va aller voir si je peux y accéder. Et effectivement en fait c'est pour ça qu'il me disait qu'il faut que je prenne la voiture pour y aller. Parce qu'il y a 3 km. Donc allez. C'est peut-être pas celui qu'on voit alors. Hein. Je sais pas. Bon allez, on va continuer, on va voir. Donc ça y est, nous y sommes presque. Par contre c'est un petit peu moins accueillant que là-bas. Là j'ai traversé des zones commerciales. Il y avait un grand entrepôt de Mercadona. Puis là il y a des entrepôts complètement vides comme ça. C'est tout abandonné. Il y a même une casse à côté, regardez le camping-car. Aïe 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 aïe. Là il y a des dégâts. Je pense qu'il y a dû y avoir un sacré accident là. C'est vraiment du carton, hein. Ça s'est cassé en tout petits morceaux. Et cette fois-ci, ça y est, on arrive au niveau du dolmen.
Donc là-bas, je crois qu'il faut que je monte mon ticket en fait que j'ai eu au musée pour pouvoir rentrer. Et cette fois-ci, il y a un emplacement pour pouvoir mettre les vélos. Donc voilà, je l'ai attaché. Il n'y a vraiment pas un chat ici. Hein. J'ai l'impression que tout le monde va voir les deux dolmens là-bas, mais personne vient ici. Après, c'est un petit peu caché, hein, comme je vous ai dit. Il faut traverser vraiment une zone industrielle un petit peu. Donc le monsieur à l'entrée m'a demandé si, si j'étais français, mais je crois que c'est gratuit pour les gens qui sont européens, je crois. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Enfin bref. En tout cas, nous voici devant ce dolmen. Il n'y a vraiment personne du coup ici. Je suis encore plus tranquille que tout à l'heure. Même s'il n'y avait pas grand monde déjà. Ah, j'ai parlé un petit peu vite. Il y a quand même du monde au fond. J'entends parler. La construction est un petit peu différente là. On dirait qu'il y a des pierres qui ont été rajoutées ici. Parce que vous voyez les gros mégalithes là-bas, les grosses pierres. Ça, je pense que c'est plus ancien. Et ça, c'est plus récent, on dirait. Oh, avec la taille des pierres au-dessus, j'ai toujours l'impression que ça va nous tomber sur la tête. Là, il y a un petit enfoncement, on peut voir. Au fond, ils ont mis un miroir pour réfléchir un petit peu, pour voir comment c'est. En fait, ça fait un tunnel au-dessus. La pièce, elle doit faire, je sais pas, peut-être 2-3 mètres de haut. Et là, c'est vraiment une pierre circulaire comme ça, avec une pierre ronde juste au-dessus. J'ai l'impression d'être dans un igloo un petit peu. C'est ouais, très impressionnant. Voilà, bah écoutez, bah en tout cas, j'espère que cette petite balade vous aura plu hein, parmi ces dolmens. J'ai préféré celui de Menga, hein, franchement, était vraiment très impressionnant, surtout avec ce tunnel là qui descendait, qui faisait vraiment d'un cercle parfait, incroyable. Donc voilà, bah en tout cas, si vous avez l'occasion, comme je vous disais, de passer par là, n'hésitez pas à venir voir de vos propres yeux.